Le constat est que la mise en œuvre rencontre beaucoup de difficultés. Je ne vais pas dire de blocage, mais une certaine lenteur. Pourquoi la lenteur? Parce que une fois l'accord signé, le gouvernement se précipite pour dire qu'il y a les éléments qui concernent les patrouilles, qui concernent les cantonnements, qui concernent l'intégration, la démobilisation, qui sont donc liés de façon générale à tout ce qui concerne la sécurité et la défense, sont prioritaires. Pour le mouvement, les mouvements disent non. Les conflits répétitifs qui ont toujours eu lieu au Mali ont pour base essentielle un problème politique. Donc avançons plutôt sur la réforme institutionnelle, sur les questions politiques, avant d'avancer sur les questions sécuritaires et militaires.